Nous avons été à Saint-Denis donc le mardi, avec, où nous avons donc tenu une assemblée générale avec la coordination. Ensuite, le jeudi, nous avons été à l'université Aluniop de Bambé et à l'université de Thiès, où nous avons discuté avec les camarades. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor. À partir de lundi, nous serons à Dakar pour faire donc la tournée des sections. Cette tournée donc entre dans le cadre tout simplement donc de la remobilisation donc des troupes, comme on dit, par rapport à cette question lancinante qui est donc la question de la retraite. Il faut rappeler tout simplement que nous avions donc entamé un mouvement de grève au mois de juin, entre le mois de juin et le mois de juillet. Entre temps, nous avons donc suspendu ce mouvement de grève là pour permettre donc à la commission technique qui a été mise en place de travailler. Cette commission a travaillé, a fini ses travaux et donc les conclusions sont sur la table du gouvernement. Depuis lors, nous attendons. Comme il n'y a pas donc de réponse par rapport à cette question-là, aujourd'hui nous sommes en tournée donc pour remobiliser les troupes et pour aller en direction donc d'un bureau national qui se tiendra donc la semaine prochaine, suivi d'un bureau national élargi. Et maintenant, à l'issue donc de ce bureau national, on décidera donc d'une attitude à prendre par rapport à cette question-là, qui est donc la question la plus importante actuellement que nous voulons donc régler, qui est donc la question de la retraite. Vous entendre, on va donc vers une scolaire. Mais rien ne l'exclut. En tout cas, si le gouvernement ne réagit pas, il est évident que nous allons tout simplement aller vers donc des blocages du système de l'enseignement supérieur. Maintenant, c'est dommage parce que quand même, le SAS quand même a fait de gros efforts entre l'année dernière, entre 2016 et 2017, pour permettre donc en tout cas aux universités de retomber sur leurs pieds. Malheureusement, donc, ces efforts qui ont été faits et qui ont permis aujourd'hui aux différentes universités donc, de pouvoir retomber sur les pieds, c'est dommage qu'on veuille tout simplement remettre, disons, à l'eau tous ces efforts qui ont été fournis et qui nous ont permis d'avoir donc une année universitaire stable en 2016. Maintenant, la balle est dans le camp en tout cas, donc, du gouvernement. En tout cas, nous, ce qui est notre sort, nous le ferons. Donc, nous sommes en train de faire donc, la tournée et à l'issue de cette tournée, une décision sera prise.